Nous voulons encore te saluer, dit Jésus-Christ, toi le Dieu Tout-Puissant, toi encore qui a permis cette rencontre. Amen. Aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Tu as travaillé pendant 6 jours. Amen. C'est que le septième jour Jésus-Christ que tu as mis terme à ton travail. Amen. Et tu as fait de ce jour un jour saint. Amen. Aujourd'hui, ce jour, Seigneur, un deuxième jour, Seigneur, par contre, les autres, Jésus-Christ, c'est toi encore qui nous rassemble. Amen. Merci, Seigneur éternel, Amen. D'avoir accordé la force à chacun, à chacune, Amen. Pour faire de le déplacement, Seigneur, Amen. Pour assister à cette cérémonie, Amen. À ce culte éternel, Amen. Un culte exceptionnel, Seigneur, notre Dieu. Amen. Nous te confions toutes choses, Seigneur. Nous remettons tout chambre, les creux de ta main. Amen. Sois le chef suprême de cette rencontre. Amen. Sois le premier responsable, le premier invité au milieu de nos Seigneurs. Amen. Du début jusqu'à la fin, Seigneur. Amen. Glorifie ton nom et manifeste ton avenir de chacun. Amen. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus que j'ai prié. On dit Amen. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons passer à une autre étape. Et je l'ai dit tout à l'heure, si tu souhaites un miracle exceptionnel dans ta vie, commence à danser. Alléluia. Si tu souhaites un mariage, commence à danser. Si tu souhaites un déblocage, commence à danser. Parce que la Bible dit, nous avons un Dieu qui est formidable. Il dit, vous mes enfants, vous avez déjà la victoire avant même que le combat ne commence. Il fait business parce qu'il aime ses enfants. Il dit avant tout combat, vous enfants de Dieu, vous avez déjà la victoire. Amen. De quoi tu peux ne craindre rien parce que tu es enfant de Dieu. Et il dit tu as déjà la victoire. Amen. Alléluia. Nous allons laisser toute la place au groupe musical. Ils vont nous conduire dans un grand moment de gloire. Alléluia. Amen. On a au moins 20 minutes. Groupe musical, nous vous serons toute la place. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus?
micro. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus encore? Yeah.
peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort, plus fort, plus fort? Elie à la bonne année, et ma dodo patalapo, yo ma yao. Oh,
dit qu'en bas, Amen. Amen. Il dit que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Amen. Amen. Alléluia. Nyamia Juma, Afeo Nuo. Nyamia Juma, Juma, Afeo Nuo. Nyamia Juma. Que tout le monde ici n'est pas bêté. Alléluia.
Ils ont chanté un cantique tout à l'heure pour dire que nous sommes venus, nous sommes étrangers sur la terre. Je veux qu'il explique ça lui-même. Parce que le deuxième micro, il ne marche pas là. Il faut expliquer cette chanson-là. Il faut fredonner ça un peu, puis tu vas expliquer. Oui, les mariés peuvent s'asseoir. Eliye la goneni, ye ma dodo patakou, lo ma yeo. Nyomu si nyoneni, ye ma dodo patakou, lo ma yeo. Lo ma yeo, lo ma yeo. Qu'il explique. C'est quand il veut. Le Dieu d'Élie nous dit si certains sont venus à l'étranger. Amen. Nous sommes tous venus à l'étranger. Donc, raison pour laquelle, bien-aimé, donnons-nous à Dieu. Alléluia. Amen. Et personne ne devrait pas caillou. Il ne faut pas devenir caillou. Ni béni bisou. On bien voit la bonne année. Ni béni bisou. Nebele biso, wa ne biso, nebele biso. Isao, ani la goyo, wa o, ani la goyo, lumaya, ani la goyo. Le Dieu de l'île nous dit, le Dieu de l'île dit que sur cette terre, nous sommes tous à l'étranger. Nous sommes à l'étranger, bien-aimés, donnons-nous à Dieu. Mais puisque nous sommes à l'étranger, raison pour laquelle nous devons nous donner à Jésus, parce que personne ne devrait pas caillou. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le but du Seigneur? Alléluia. Cette chanson résout tout. Alléluia. Amen. Cette chanson démontre réellement pourquoi le Seigneur a donné sa vie pour toi et moi. Et cette chanson, j'ai dit même qu'elle est prophétique. Parce que si tu penses que réellement tu es étranger sur la terre, tu sauras comment tu vas marcher. Vu un jour un étranger, je prends un exemple, un baoulé qui arrive pour la première fois dans un village bété, ou du moins un djoula qui arrive première fois, ou un yakuba, n'importe quel étranger qui arrive pour la première fois dans un village, pensez-vous que celui-là, quand il va arriver, il va commencer à faire tout ce qu'il veut? Dès l'instant qu'il arrive, on sent déjà même qu'il est étranger. Alléluia. Parce qu'il est différent des hommes qui sont dans le village. Sa manière de marcher, sa manière de regarder, il fait attention à toutes choses. C'est quand il finit de durer, peut-être sagement là qu'il se confond aux autres. Alléluia. Là, il n'a plus étranger. Mais quand il arrive la première fois, il a un comportement. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Ne vivons pas comme ça.